Il faut que tu saches que ça a changé. Ici, on est plus sur des burgers frits, des sandwichs club, tout comme ça, oui, quoi. Et ça n'empêche pas que je prépare le plat du jour. Des pieds paquets. Mais c'est vegan, ton truc ? Non, pas vraiment. Je les ai mis en plat du jour et ça n'a aucun succès. Tu leur dis que c'est la tripaille, ils s'enfuient en courant, alors que, franchement... Papa, t'es un génie. Andrés Galeano s'est évadé pendant son transfert pénitentiaire. Chaque seconde compte. Il faut leur mettre la main dessus avant qu'ils aient le temps de se retourner. Il est probable qu'ils cherchent à vous contacter. Me contacter ? Non, non. S'il est ici, c'est pas pour discuter. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous prévenir. On a été ensemble, voilà. J'étais très amoureuse de lui et puis j'ai découvert que c'était un criminel. Ah, c'est sûr que là, avec ce type de profil, on n'est pas à l'abri d'un carnage. Là, on est sur le coup. On va le retrouver. Ça donne quoi du côté des indics ? L'un d'eux a vu Pavel sur le port. Qu'est-ce que tu fais là ? Si t'appelles les flics, tu peux dire adieu à tes proches. Je peux plus me menacer. C'est toi qui es en danger ici. Alors de quoi t'as peur ? Mais j'ai pas peur. Tu devrais. Parce que si t'appelles les flics, j'ai des preuves pour faire tomber un de tes proches. N'importe quoi. Je fais rarement n'importe quoi. Je suis même assez calculateur comme garçon. Je pense que ça t'avait pas échappé. C'est quoi tes preuves ? De quoi tu parles ? Tu crois vraiment que je vais te montrer ma main ? Tu bluffes. Appelle les flics, puis tu verras bien. Il semblait bien que j'avais entendu du bruit. Ah. Dis donc, tu t'es levé tôt, hein ? Eh oui, parce qu'un jour, un grand homme m'a dit que l'avenir appartenait à ceux qui se lèvent tôt. Et tu lui as répondu, mais l'ambiance appartient à ceux qui se couchent tard. Exact. Mais ça, j'ai appris assez vite que l'un n'empêchait pas l'autre, tu vois. Tiens, ton petit café crème et ton croissant comme tu l'aimes.